Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Breakwaters, un des jeux que je vous ai signalé à surveiller pour cette fin d'année. C'est un jeu dans lequel on a le contrôle total de l'eau et des océans. On va donc pouvoir faire des barrages, utiliser de la magie ou des objets pour séparer l'eau. Enfin vraiment, on va voir tout cela. On est également dans un monde complètement ouvert où il y a des titans comme celui que vous voyez au loin. Ce sont des ennemis à tuer, à détruire, mais bon, pour le moment c'est un petit peu hors de notre portée. Alors, on démarre sur une archi dans une archipel qui a été générée procéduralement, donc elle ne ressemble pas du tout à ce que j'ai eu dans ma partie précédente, mais je vais essayer de me repérer. Donc, il y a une quête qui nous attend là à faire, donc on va parler au petit bonhomme. Alors, que nous dis-tu? Donc, enfin, il y a quelqu'un d'autre sur cette île, je suis un archéologiste qui étudie le titan tortue que vous voyez au loin. J'ai trouvé une relique sur cette île et je pense que les titans et les reliques ont un lien quelconque, hein, voilà, entre eux. Aide-moi à trouver la relique et à découvrir la vérité. D'accord, donc là il va nous donner des objets qui vont nous permettre de séparer l'eau vu qu'il veut que l'on trouve des anémones. Bah tiens, il y en a là. Allez, on va poser le premier ici. Donc regardez, je pose ça et là vous pouvez voir tout de suite l'eau qui se sépare. Oh, c'est juste géant. Bon, alors on va récupérer ces ressources, il m'en faut 4. C'est pour la 4. Oh, c'est parti, voilà, je l'ai récupéré. On va récupérer ça là également. Hop, non, je voulais pas donner un coup. Voilà, donc j'ai les 4 qu'il me faut. Il y a pas mal, est-ce que... Ouais, c'est l'herbe qu'il me faut. Je vais avoir besoin de cette herbe un petit peu plus tard. Il va m'en falloir pour faire des sacs à dos, des habits, ce genre de choses. Parce qu'on démarre avec très peu d'emplacement dans l'inventaire. Ça va être un des gros problèmes du début du jeu. Donc je voudrais... je crois que c'est 18 le max en stack. Ouais, c'est 18. Donc on va s'arrêter là. Et alors toi, ben, on va te ramasser et on va te mettre plus loin. Juste pour se marrer, on va le mettre... Ah, je peux pas le mettre plus profond. Allez, on va te mettre là. Et vous, donc dans le jeu, vous pouvez mettre suffisamment de ces torches sur place pour vraiment boucher une rivière, ce genre de choses. On verra ça plus tard. Ce n'est pas le seul moyen de séparer l'eau, hein. Il y en a d'autres. Alors, toi. D'accord, donc c'est bon. On a les anémones, je sais pas si c'est le mot français. Très bien. Et maintenant, il veut qu'on les cuisine. Donc on va poser un feu de camp. On va le mettre là. Et je vais chercher du bois. Bah tiens, on va avoir besoin des branches qu'il y a là. Ça va également me donner un petit peu de baie. Donc en bas à gauche, vous voyez le cercle bleu qui représente la soif. Le cercle en dessous orange, voilà, représente la faim. Et on a notre barre de vie en dessous. Alors, donc j'ai quoi? J'ai 2 branches, ça ne va pas suffire. Voilà. Alors, je ramasse qu'il y a là. On a quoi? On en a... 4. Allez, je vais ramasser le groupe qu'il y a là. Je pense que je vais être bon. On n'a pas toujours une branche. Oh, oh, est-ce que j'ai... Oh, il y a le rat, il y avait un rat. Ok, allez, on va l'éliminer. Ah, je vais pas ramasser la viande pour le moment. Ouais, non, j'ai pas beaucoup de place. Je suis vraiment, vraiment limité en place. Voici les emplacements que j'ai. Donc, je suis presque déjà au-delà de la limite. Alors, on va éliminer le rat parce que ça nous fait gagner de l'XP. Donc, il y a différentes catégories d'XP. Je vais vous montrer ça. Ici. Donc là, on est level 2 dans construction de maison, ce qui nous permet de faire monter le max de soif, de faim. Ok, la traduction est un peu bizarre. Ça dit le max de faim, de soif et de faim. D'accord. Ici, ça nous permet de faire la même chose. D'accord. Bah tiens, j'ai même pas regardé ce que les autres catégories nous donnaient. Bon, alors je pense que là, je vais pouvoir... Ah, là, il y a une noix de coco. Les noix de coco, c'est excellent pour s'abreuver. Ah, voilà. Alors, le feu de camp est là. Donc je vais... Tac, mettre toi, et on va mettre quelques branches. Vous voyez, les branches que j'ai mises ne me donnent que quelques secondes de feu, donc de cuisson, ce qui est pas terrible. Il va me falloir un meilleur... Hop, voilà, il va me falloir quelque chose de mieux. Hop, bon. Est-ce que je peux... Je vais peut-être pouvoir en faire un deuxième avec... Voilà, mais ça va pas suffire. Donc, je vais chercher plus de branches... Donc là, je suis dans un endroit qui est un archipel qui est assez assez ouvert comparé au comparé au précédent que j'ai vu dans ma partie test, car les zones sont bien générées procéduralement. Il y a beaucoup plus de relief. Là, ça a l'air ok, ça. On va voir ce que ça a donné. Ouais, je crois j'ai 6 branches, donc j'y retourne et on va faire cuire la dernière, enfin, l'avant-dernière et la dernière. Tac.
Et tac, ça c'est bon. Alors, on va manger la noix de coco parce qu'on est limité en espace. On va également se nourrir de baies. Hop, hop, hop. Ok, je suis bon. Là, c'est bon, je crois que j'ai... Voilà, bah tiens, on va pouvoir valider la quête et peut-être attaquer des choses un peu plus complexes. Ah, alors. Il veut... Ok, il veut que maintenant on se prépare à explorer pour trouver l'endroit que... Mais bon, alors avant, je voudrais éliminer ça. Je voudrais faire une hache et je vais avoir besoin de la carapace. Voilà, est-ce qu'elle est tombée? Voilà, avec ça, je vais pouvoir me faire un outil. Il me faut deux branches. Bah tiens, les branches, ça s'obtient. J'ai plus de branches? Ok, je les ai toutes mises dans le feu. Ah, mais on va les obtenir dans nos petits buissons, là. On va en avoir assez de buissons, là, pour obtenir les deux qu'il nous faut. Plus tard, on va pouvoir péter les arbres. Pas de branches. Bon, ça, on va te laisser. Ici, il y en a peut-être. Ah, il y en avait un par terre. Là, on y va au coup. Voilà, c'est bon. Allez, ma hache. Et on va la mettre... au premier emplacement. Alors, il m'a donné une carte au trésor. C'est là que l'on va trouver notre relique. C'est au sud-est par rapport à nous. J'espère que la mer est pas trop profonde et que je vais pouvoir l'atteindre facilement. Mais je voudrais faire un sac à dos, je voudrais me faire un chapeau pour me protéger du soleil, pour me déshydrater moins vite, tout cela. Et donc, pour ça, il me faut 10 branches. Bah tiens, alors on va sortir et on va commencer... par péter les cocotiers, c'est les cocotiers ça je crois, hein. Palmiers plutôt. C'est plutôt des palmiers. Ok, alors, ah bah tiens, là on a des branches. Voilà, alors, les noix de coco, ça j'en veux. Hop, est-ce qu'il n'y a pas de branches? Ok, ça je crois que ça va juste me donner d'autres rondins. On va quand même les faire parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Voilà, bon, on va laisser. Alors, suivant. Est-ce que je peux avoir les deux là en même temps? Ouais, ça peut être possible. Ok, bon, allez. Hop, une autre branche. On en est à combien de branches? On en est à 10. Bah, je crois qu'on est bon. Hop, notre coco. Parfait. Et je vais mettre un à côté. Voilà, parce que la position du bonhomme est... et pas mal pour marquer hein, nos ateliers. Du coup, on va te poser. Ah oui, position 2. On va te mettre là. Ah, ça a l'air pareil des deux côtés. Boum. Alors, maintenant, je voudrais me faire un sac. Une fois que j'ai fait le sac, je vais pouvoir débloquer. Enfin, ça, vous voyez, c'est le sac sur le bâton. Puis après, on va avoir un vrai sac. Plus on progresse, plus on débloque de bonnes choses. Et là, donc, il va nous falloir 18... herbe de la mer, donc en gros des algues, et 4 bâtons. Bon, alors, bah tiens, on peut en trouver là, donc ça, ça peut être un problème. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir vraiment transporter plus de choses, ça me fait vraiment du bien, parce que là, je suis vraiment limité en emplacement. Alors, hop, 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 hop. Allez, ça, c'est à moi. Alors, il y a différents types d'herbes, donc faut faire gaffe. Par exemple, là, c'est de l'herbe de la mer, et on a des herbes de feu également, que j'ai trouvé une fois. Oulala, j'en ai un petit peu trop, je suis à 18, 23, et il me faut des bâtons. Alors, notre coco. Ah, bah là, il y a pas mal de buissons. Alors ça, c'est marrant, quand on les détruit, elles balancent de l'eau. Alors, je sais pas encore trop quelle est leur utilité, mais intéressant. Je peux pas m'en servir pour récolter de l'eau, par contre. J'ai essayé de... j'ai pas pu... Alors, ok, on va... On a déjà faim, purée, la faim et la soif. Bah, je vais finir les noix de coco parce que j'ai besoin. Non, le rage, j'en veux pas pour le moment. Bâton. Bâton. Ah, j'avais de la place déjà pour les bâtons. On va prendre les baies alors. Ah, j'ai ramassé un rat. Toi, j'en veux pas. Hop, voilà, on se débarrasse de toi. Et alors, ça doit être ça, l'herbe de feu que j'ai vu avant. Alors, j'en suis à combien de branches? J'en ai... Ok, j'en ai normalement assez. Ah, putain, ouais, pour t'éliminer, ça va nous faire gagner un peu d'XP. Vous voyez, à chaque fois que je fais quelque chose, vous avez l'XP qui est affiché du côté gauche, hein, des points d'aventure, ce genre de choses. Ouais, alors. On vient là. Et du coup, je veux ça. Bam. Alors, on va tout de suite t'équiper. Et maintenant, hop là, on a un petit peu plus de choses. Il me faudrait également le chapeau. Alors, pour ça, il va me falloir...
Plus le chapeau va me permettre de me protéger du soleil et donc de moins me déshydrater. Bah tiens, regardez. Ici, on a toujours ça. Alors, vous allez trouver également des gemmes dans la nature qui vont naturellement repousser l'eau. On va probablement en trouver un peu plus tard. Donc là... Ouais. Allez, voilà. Ah non, c'est, le jeu est excellent. Le potentiel de construction que l'on a avec... Et le développement que l'on a avec... La façon dont on travaille, enfin on manipule l'eau est juste excellente. Alors, du coup... Qu'est-ce que t'as toi? Fais-moi un... pam! Voilà, on va l'équiper. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Toi, trois trucs de crabe. Alors ça pourrait être intéressant pour remplacer celui que j'ai. Les bandages pour soigner. Alors c'est... Ah, il me faudrait du corail bleu peut-être, il m'en faudrait quelques-uns. Allez, on va essayer. Et c'est quoi le... Du kelp. Ok, alors le kelp, je sais pas où en trouver. Je suppose c'est... Bon, ça c'est des algues. Donc je suppose c'est plus profond. Donc, on va peut-être essayer d'aller... où était mon... Là-bas, il y a quelque chose. Où est-ce que j'ai mis le... l'autre totem? Ah, on a ça. Parfois, il y a des choses intéressantes dedans. Ok, ça c'est des boulets de canon. Ah, j'en ai pas besoin là tout de suite. J'espère que je vais pas regretter. Alors de l'argent, ça en avoir besoin. Bouteille. Alors ça peut être une bouteille d'eau. Non? Ok, celle-ci je peux pas la ramasser. Donc j'ai encore une torche à poser. Mais je me demande où est passé l'autre. On a des poules. D'accord. Ah, il est là. Il est là. Bon, alors. On va continuer dans la direction là-bas. Ah, c'est quoi ça? Là-bas? Alors, je vais prendre toi. Et on va aller vers là. Regardez! Génial! Et le deuxième, on va le mettre. Je peux te poser. Je vais te mettre là, ou alors est-ce que je peux te poser là? Où j'ai un peu de mal à nager contre le courant. Voilà. Alors, on va prendre toi. Oula. Le retirer à... Je peux le mettre ici. Regardez ça. Regardez. Alors, je suis proche de là, mais... Encore un petit peu. Voilà, juste à côté. Là, me dites pas... Alors, c'est quoi cette chose? Je fais du dégât. Ça repousse pas... L'eau, en tout cas. Ouh, cristal bleu. Je crois que le cristal bleu génère... Génère de l'eau, il me semble. Que les cristaux bleus génèrent de ouais, alors c'est pas vraiment ce que je voulais, mais alors là je vois qu'il y a peut-être mon kelp. Ah, regardez, ouais, l'eau est revenue un peu plus lentement, peut-être parce qu'il n'y a plus les cristaux. Donc ici, qu'avons-nous? Ok, c'est juste, c'est pas ce que j'espérais. Bon, c'est pas grave, on va reprendre. Voilà, on va te mettre là. Alors, je peux pas les remettre dans mon inventaire, apparemment, je suis un peu déçu. Alors, il est où le titan? J'espère qu'il est pas juste à côté. Oh oh, il est là. Bon. Ah, bah tiens, regardez, voici. Ça repousse. C'est ça qui repousse l'eau, vous voyez, bah, c'est la même couleur. C'est la même couleur que là. Bon, alors, on retourne là-bas. Je pense pas que je vais pouvoir faire ce que je voulais. Donc regardons si j'ai une autre option, sinon on va continuer l'aventure. Alors, bah tiens, les baies, je vais les manger. Voilà, ici. Ouah. Toile d'araignée, on va voir des araignées plus tard. Ah, armure, ok, alors l'armure, si je peux trouver des os. Oh, oh. Toi, t'as pas peur, hein. Ah, de la viande, non, on est bon. Alors, il y a des os, parfois, un petit peu sur le sol. Mais... Ouh, wow. Ah, les poules, elles attaquent!
D'accord, alors ça je ne savais pas ça. Ok, les poules attaquent apparemment. Bah, il n'y a pas d'os à proximité, on va juste jeter un petit coup d'œil à l'épave là, et puis après on va partir chercher le truc des titans. Du coup, ici je peux rien faire. Je peux rien faire. Non? Ok. Bon, allez. Allons parler au gars et disons-lui qu'on est prêt à explorer. Des baies. Prendre les baies. On peut même la manger. Okay. Je l'ai mangé. Ouais. Alors, toi. Est-ce que tu es prêt à trouver le trésor enfoui? Ouais. Alors, ma recherche dit qu'il est dans une ruine faite de roches de titan. Dans les ruines de titan. En roche. D'accord. La roche de titan ne peut pas être détruite, mais il n'y a pas de problème. On va pas avoir besoin de la casser. Ok. Les trésors comme celui-ci étaient bloqués par les anciens. On doit se préparer avant de partir à l'aventure. On doit faire une pelle à l'atelier. Ok. Bah tiens, on va voir ce que la pelle. Hein. Ça va être... On peut l'améliorer, on peut faire ça. J'aimerais avoir ça parce que là, pour le moment, on peut cuire les choses une à une. Pas... Ouh, ça c'est pas mal. Ça me permet d'obtenir de l'eau. L'eau au début, avant de comprendre comment ça fonctionne, est vraiment un problème. Mais j'ai juste pas les ressources nécessaires. Le stockage. Le stockage, juste un petit peu. Oh, le stockage, c'est facile à faire. D'accord. Et on peut mettre un endroit pour la défense. Des canons plus tard. Oh, ok. Alors, je vais peut-être faire un stockage pour poser mon argent. Et ça qui ne va pas me servir à grand chose. Si je meurs, tout ce qui est sur moi tombe au sol. Ouais. Alors c'est quoi qu'il fallait pour le stockage? C'était de l'herbe et quoi d'autre? Et des branches? Après on fera l'appel. C'est des branches, ouais. Et de Lucie grâce à ça. Ok, bah les branches, on va les obtenir là-dessus. Est-ce que je peux pas également... Ouais, tout casser. Je vais avoir besoin du bois pour alimenter un petit peu le feu, faire des construire des bâtiments. Allez, du coup, vu que je vais avoir mon... Vu que je vais avoir un stockage, je vais ramasser tout cela. D'ailleurs, regardez, je pense que si je casse ça... Regardez, l'eau... Ouh, l'eau se rapproche, vous voyez. Ouh, petit raz de marée, une petite vague. Alors, je sais pas trop quoi faire du cristal lui-même. Enfin, je sais que je peux faire des torches, mais je sais pas comment. Alors, il me faut juste un tout petit peu. Oh, bah, regardez, le soleil se lève. Oh, c'est magnifique. Alors, vous pouvez voir parfois au loin. Ouais, regardez, là-bas, il y a une tempête. C'est classe, les effets météo et tout. Alors, ça me fait gagner d'XP. Et toi, je pense que j'ai normalement ce qu'il me faut. Pour mon coffre. Ouh, très joli. Ah ouais, tempête là-bas également. Alors. Bam. On va te poser. Bah, on va te mettre à côté, hein. On va pas. Voilà. Et du coup, dedans, je vais mettre ça. Mettre ça. Pas censé pour aller. Okay. Tac. Noix de coco, ben ça va aller ici. Ça, je vais pas en avoir besoin tout de suite. On va mettre le bois de côté pour plus tard. Carte, on va la garder. Ça, on va les fusionner. La viande, ben on va peut-être, on va juste en garder 5. Et on va cuisiner la viande. Alors. C'est parti. Ouais, ça dure du coup un petit peu plus longtemps. Alors, bah maintenant, pendant que la viande cuit. C'est pas là. La pelle va me demander 3 branches et... Oh, bah ça va pas être complexe. Alors, ça c'est bon. Un autre steak. Ah, je vais attendre avant de partir. Alors, plus on met de bois, plus le brasier... Bah tiens, je vais vous montrer. Ça, c'est excellent. Regardez, plus la flamme grandit. Alors ça va pas cuisiner plus vite je pense, mais juste on la voit de plus loin. Et vu que le jeu est jouable en coop plus tard, hein, là je crois pas que le coop est dans le jeu, bah vous pouvez signaler votre position comme cela, c'est juste excellent. Alors, du coup, pam, voilà, du coup je vais manger, hop, je vais attendre. Ouh, un steak ça redonne beaucoup, c'est génial, ouais, vraiment vraiment beaucoup. Donc du coup oui, on a dit pour l'appel il nous faut, pas toi, pour l'appel... Il nous faut 3 branches, 15 de scie grasse et un truc de crabe. Alors, notre ennemi mortel, ok, un petit steak. Les boulets de canon sont toujours là, bon, au moins ils ne disparaissent pas. Bah tiens, là on a l'herbe qu'il nous faut.
Hop. Voilà. Ouh, là, il y a une autre couleur d'herbe, non? Non, c'est toujours de la... Ok. On en est à combien? On en est à 18. Je crois qu'on est bon, mais bon, on en a toujours besoin, donc je vais pas me priver. Allez. Alors, du coup, maintenant qu'on a ça, il nous faut un crabe. Un mono CDB. Alors, ah, poulet, bon, les poulets sont dangereux. Ah, voici mon crabe. Pam, pam. Tain, voilà, tu fais-moi le malin maintenant. Et on a... Il nous en fallait... Une... Alors, ah oui, les noix de coco, ça c'est bon pour la soif. Au début, c'est de ça que l'on va dépendre. Alors là, j'ai pas de bol, j'ai pas obtenu de bouteille d'eau. Ouh, il y a beaucoup de noix de coco là. Parfois, on peut trouver des bouteilles d'eau sur la plage. Bah, tiens, il y a une bouteille là. Et parfois, dans les caisses qu'il y a autour des épaves de bateau, toi. Voilà, bah tiens, là, on vient d'obtenir une bouteille d'eau. Parfait. Parfois, il y a d'autres choses dedans. Il peut y avoir des cartes de trésor. Il peut y avoir des messages de gens, en général, qui ont été effacés par le temps ou l'eau. Et je sais plus s'il me faudrait autre chose, là. Trois branches, oui, voilà, trois branches. Il faudrait peut-être une arme également pour me défendre. Je sais pas si je peux en faire une. Parce que, bon, c'est cool, la hache, mais... Voilà. Notre coco, branche. Allez, on va ramasser les rondins et on va les mettre dans notre réserve au cas où. Je veux pas que ça disparaisse. Ah, ils sont généreux en rondins, mais bon, leur valeur est pas la même que dans la plupart des jeux. Vous n'allez pas faire grand chose juste avec ça. Allez. Maintenant, ici. Alors. Vraiment. Vous avez vu, j'en ai mis quoi? J'ai mis 15 de bois et j'avais assez pour éclairer pendant, pour faire tourner le feu pendant 90 secondes, un truc du genre. Bah ouais, alors. La pelle. Parfait, on a un autre outil que je vais mettre là. Mais j'aimerais bien avoir une arme. Alors, du bambou, je n'en ai pas à proximité. Alors, du bot tar, ça je peux l'obtenir. Dans les caisses, il y en a pas mal. Ouh. Donc deux branches, ok, il faut juste la carapace d'un... Je sais pas c'est quoi, c'est carapace on dit pour un crabe, hein, j'en sais rien. Je pourrais demander à Xav, il pourrait nous dire. Alors, il y a également des marées. Le niveau d'eau va monter et va baisser en fonction de la marée. Tu peux libérer également des zones sans avoir... Ah, regardez là. Ah, ok. Oh, ah non, des boulets de canon, non, c'est pas ce que je voulais. Et on a de l'argent. Bon, c'est pas ce que je voulais. Je cherchais quoi, là? Ah oui, un crabe. Le boulet de canon, bah, on pourrait le garder et le mettre dans notre coffre. Je pense qu'il y a de la place pour... Alors, je vais manger un petit peu. Et voici mon crabe. Il y a des espèces de ruines là-bas. Oui, je crois que c'est là-bas qu'on doit aller. C'est là-bas qu'on doit aller pour la quête avec la pelle. Du coup... Retour à la base. Ils sont généreux en noix de coco, là, cette fois-ci. J'ai vraiment galéré dans ma partie de test, mais j'avais beaucoup plus de bouteilles. Donc, alors. Ah, ça a quelque chose à lancer. Ok, on va plutôt chasser les crabes pour avoir une épée de crabe. L'arme ultime, allez. Ouh, attention, j'ai peur. Alors ça, celui-là, il attaque avec un gros rayon, donc je vais peut-être pas me rapprocher de lui parce qu'il attaque à distance. Je sais pas ce qui va se passer si je me mets juste à côté de lui. J'ai vraiment pas de bol dans la génération. Là, j'ai vraiment très peu de... là, on a du coquillage que l'on peut manger cru au passage. Mais j'ai vraiment pas de bol sur... Ah, bah là, il y a des crabes. Là, les coffres, je vais arriver à le dire. Alors... Allez, 1, 2, 3 coups. Donne-moi ta carapace. J'ai apparemment eu du bon sable également. Voilà, on a découvert les... ça correspond à la carte. Hein, vous pouvez voir, on est au bon endroit. Mais... ouh, de la viande de crabe. Voilà. Inventaire plein. Bon, ça utilise
Ah, pour la viande. Il me faut encore une carapace. Ah, oula, attention. Vous voyez le petit bloc là, avec un petit peu de bleu devant moi? Ça, c'est un ennemi. Un golem. Alors, je suis pas prêt à les tuer, je pense. Enfin, j'ai pas essayé, mais avec ce que j'ai là. Alors. Ah, il y a de l'os, on a besoin de l'os. Pour certaines choses. Alors, toi. Voilà. Boulet de canon. Et qu'est-ce que je peux retirer? Bah, les noix de coco, hein. Voilà. Bon, retour à la base. Et on va se faire une arme. Ouais, je me débrouille vraiment mieux pour la survie, là. Et donc, on va finir. Oh, il en fallait 5, pas 4. Allez, peut-être le dernier crabe qu'il me faut. Ouais, j'ai ce qu'il me faut. Alors, bon, on va pas en attaquer d'autres. On rentre, c'est vers là-bas. Attention au titan. Ici. Et regardez, la marée est vraiment basse là. Vous voyez, regardez, on a beaucoup plus de terre. Le bateau n'est plus sous l'eau. Je sais plus si c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Bah tiens, est-ce que je peux pas fouiller? Et tout ça, c'est géré par la physique, hein. C'est pas une animation, c'est. Là, la marée vient et va. Oh, alors, les eaux, on en veut. La bouteille d'eau, on en veut. Et. Oh. Oui. Là, ah, ici. Ouais. Attention à la poule, je sais pas que je vais s'attaquer. Bon, alors, j'espère que c'est bon là. Équipement, ouais. Hop. Et l'épée du crabe. bon, on va la mettre à l'emplacement 2. Et on va se vider un peu les poches. Du coup, le sable fin. Pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Boulet de canon non plus. Les os vont de côté. Les bouteilles d'eau. Alors, l'argent également. Est-ce que je garde ça? Je pense pas que je vais en avoir besoin pendant l'aventure. Donc, on va mettre là. Je vais quand même garder l'eau. Et les steaks. Alors, du coup. Ah, la poule, là, du calme! La poule, j'ai perdu plus de vie à cause des poules qu'à cause des autres ennemis. Bon, alors, on équipe l'arme. Oula. Ah, oui, c'est... Voilà, ok, voilà. Ben, on va le tester, pour voir. Oula. Faudrait peut-être des bandages. Allez, j'ai pas de roulade, j'ai pas de bloc. Un cristal bleu, ok. J'espère que les blocs vont venir plus tard. Oh là là, ok. Alors, je pense pas que j'ai besoin de les éliminer, mais je vais quand même le faire pour pas être pris à dépourvu si j'active quelque chose de dangereux. Oh, j'aurais voulu faire l'attaque avant. Ok. Alors maintenant, si je mange, je me rappelle plus. Ouais, ça me redonne un peu de points de vie. Et là, maintenant, j'ai une bouteille vide. Ah, il va falloir faire des pansements là, rapidement. Voilà. Un autre en moins. Ah, t'as rien fait de tomber. Et toi? Wow! Ok, ouh! Ouh! Cours! Ah, vite, 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 vite! Ok, dangereux, toi. Ah, ok, ça y est, j'ai compris le combo. Ouh, raté, raté. Voilà. Bon, si. Non, les noix de coco, c'est la viande qui redonne des points de vie. Les noix de coco n'en redonnent pas. Ah, ok. Alors, on a obtenu une carte trésor ruinée. Détruite. Alors, du coup, je suis là. Je dois faire quoi, là? Oh, j'ai peut-être besoin de quelque chose. Alors, oh, je vais retourner voir mon bonhomme. Oh. Sors! J'ai peur. Je me suis dit, mince. Ah bah tiens, on va peut-être garder ça du coup. On retourne le voir et voici. Ah oui, il fallait valider la quête avant. Ok.
Alors, je vous ai fait des cristaux raffinés. D'accord. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Donc du chat, non, je peux rien en faire. On va te mettre dedans. Là, tu vas là. On va le poser ici. La viande. Bon, on va pas la cuire. On va aller là-bas tout de suite. Alors. Par là. Ici. Voilà. Alors, normalement, je jette ça dedans. Ouh. Ok. Ouh. Génial. Génial. Alors, appel. Voilà, toujours comme ça je l'ai. Hop. Parce que ouais, quand on équipe quelque chose, il est retiré de la barre rapide. Ce qui fait que bah, l'emplacement est libéré, mais quand on veut ramasser quelque chose, utiliser quelque chose, bah, l'emplacement de l'outil change. Et parfois on peut perdre l'outil car il n'y a pas de place dans l'inventaire et il est jeté. Mais bon. Alors. Qu'avons-nous là? Ouh, la relique de Titan. D'accord. C'est ce que l'on voulait. Et. Non! Ok, D'accord, le titan m'a repéré là. Et là, on a des. Ouh! Un peu beaucoup d'araignées. Ouais, alors déjà la question, c'est ce qui m'attaque à nouveau. Il m'attaque pas, on est d'accord? Ok, alors je sais pas trop les dégâts. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, je vais manger mon steak. Pour récupérer un tout petit peu de points de vie, j'aurais dû cuisiner un peu plus. Ok, oh! Oh, ça va, ça va, ça va! Oh, je pensais que ça serait pire que ça. Mais en fait, elle meurt super vite. Enfin, je crois qu'elle meurt vite. Il y a des rats également. Non, non! On n'a pas d'eau derrière moi, non, c'est bon. Oula, le... Ok, la marée remonte. Alors, je voudrais les éliminer vite. Voilà, je crois que c'est bon. Waouh! Okay. Ah, la viande crue. Alors, on va en avoir besoin pour soigner parce que j'ai pas trouvé d'autres moyens encore de. Alors, je vais cuisiner. Bon. Blue Shards. Ah, la place là maintenant. Ah, j'ai mis trop de bois. J'ai mis beaucoup trop de bois. Et la relique de titre en bas. Allez, on va ramasser ça. On va manger, même si j'en ai pas besoin, mais... On récupère les points de vie. J'ai pas encore trouvé les... Le corail qui brille. Et le kelp. Je pense qu'il faut aller plus profond. Peut-être quand la marée descend, aller le plus loin possible et aller là où il y a encore de l'eau. Je me dis que tout ça, ça n'apparaît probablement pas là où l'eau n'est plus quand il y a la marée basse. Alors. Ok. C'est déjà fait. Fais attention aux pirates dans la zone. Ok. C'est vrai qu'il y a parfois des pirates, j'en ai vu. Mais là, j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Est-ce que t'as trouvé la relique? Ouais. Alors, j'étais inquiet que le titan t'aurait tué quand je l'ai vu attaquer. Okay. Donc, en gros, tout le monde est d'accord que les reliques ont une grande puissance, mais ils savent pas à quoi ça sert. Ok. Donc, maintenant, je suis. Ok, il est temps de quitter cette île et de chercher les ruines de la cage des titans. Donc il faut construire un signal pour appeler un commerçant sur l'île qui va être content de transporter ailleurs. Okay. Et donc là il m'enseigne comment faire ce signal. Alors la question c'est une base craft. Weapon, équipement. Ah peut-être de là. Ah de là. Donc cristaux jaunes et... Corail de feu. D'accord. Ah, j'ai de la place, j'ai de la place. Ouais.
pas faire autre chose. Est-ce que je peux pas faire de nouvelles torches moi-même? Non. Ça demande des bouteilles vides et des cristaux jaunes. Oh, mais c'est pas dur à faire. Donc finalement, on va pas avoir les poteaux à poser. Mais on va avoir les choses que l'on peut lancer. Alors, ben, toi, je peux pas te toucher. Enfin, je vais pas te toucher. Je vais te laisser là. Je vois que là-bas, par contre, il y a du jaune. On y va. J'ai un peu soif. On va manger de la noix de coco. Ah là, il y en a deux là en plus. On va s'attaquer à celui le plus bas. Ah ok, est-ce que ça fait plus de dégâts? Ça fait la même chose, hein. Ah non, moins vite. Hop, merci, cristal jaune. Hop. Il y en a d'autres. Ah, peut-être quelque chose de bon là-dedans. Bouteille, noix de coco. Boulet de canon, allez. Ça pourrait être utile pour être autre chose, peut-être plus tard, commerce ou autre. Ah, là-bas, je crois qu'il y a un petit filon et un gros filon. C'est quoi ça? Ah non, c'est juste de l'eau. Je me dis, mince, il y a une ressource que je connaissais pas là. Ah ah. Le temps est pas dans le coin. Ça donne pas tellement plus. Ça, on le veut. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que je peux trouver le corail et le kelp? Genre, ça, c'est quoi, ça? Ok, ça, c'est de l'herbe standard. On va aller plus... Ah, est-ce que ça sera un cristal de feu? Un cristal de feu, un corail de feu, pardon. C'est bien le cas. Ça, là, ça a l'air d'être de... standard, ici. Ah ben, là-bas, ok. Alors. Ouh! Alors, un peu plus loin. Regardez ça. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai obtenu un cristal jaune là-dessus. Comment je l'ai obtenu? Je sais pas. Ça. Ok, ça c'est du corail. Pas celui qu'il me faut. Là, est-ce que ça serait là-bas pas ce que je veux? Alors je vais sacrifier pas mal de potions, mais... Et là. Génial. Et dites-moi pas que... Ah, oh, c'est de l'herbe standard. C'est de... Où est-ce qu'il est, mon kelp, là? Ouh. On va nager à contre-courant. Ah non, mais c'est géant. C'est vraiment ce système, il est top. Et il n'y a pas de problème de performance. Alors, j'ai quand même enregistré en 1080p au lieu de 1440p. Parce que je veux pas prendre le risque qu'il y ait des ralentissements, ce genre de choses. Hein. Je vous promets toujours du 60fps. Oh, ok, là, il y avait ce qu'il me fallait pour un élément. Mais je pense que j'aurais pu le faire, hein, sans problème. C'est juste que parfois, quand la physique est folle, je me dis peut-être que... Oh, ok. Je veux pas prendre le risque parce que le FPS descende à 30, 40. Hein. Si je peux éviter... Bon, ben voilà. Quoi? Un campement là? Je suis où d'abord? Ah, je suis ici. Bon, j'ai pas trouvé, donc je sais pas où est le kelp. Faudra que je fouille hors caméra un petit peu. Mais je vais faire ce qu'ils ont demandé pour appeler le bateau. L'inventaire est plein. Ok, ben, je vais poser quelques ressources à la base. Et on va regarder quelques-unes pour les vendre. On avait besoin de corail rouge. J'en ai qu'un de corail rouge? Je pensais que j'en aurais plus. Alors.
boulets de canon, ça on en a pas besoin. Oh oh. Ah non, j'en ai utilisé. Oh, je crois que je l'ai perdu. J'ai dû la faire et perdre, zut. Alors, c'est reparti. Maintenant. Je crois qu'il faut appeler le bateau dans l'eau. Ah, il faut être au moins à 15 de profondeur d'eau. D'accord. Là, on est à 8. 5, 9, 10. Ouais, il va falloir sortir cet endroit. Alors, je prends un gros risque. Mais on va dans cette direction. C'est, je crois, l'endroit le plus proche, plus profond que je vais pouvoir... Ah, 3? Vraiment? Ouh, je m'inquiète un petit peu. Est-ce que le mar... Eh, mais il y a... C'est pas profond, là? Et vers là? Ah, ça m'amène dans moins profond! On est à 10, 11... Avec les vagues, la marée... Est-ce que la marée est basse, peut-être, là? Parce que... Je fais... Mais en fait... Oh, j'ai pas l'impression que je m'éloigne, en fait. Ah, ok. Voilà. Parfait. Et le marchand devrait... Harry, le voici. Alors. Alors, j'ai vu ton signal des profondeurs. De quoi as-tu besoin? Donc, alors, déjà... Est-ce que je peux vendre des choses? C'est la question. J'ai jamais vendu, hein, donc je sais pas si je peux... Ok, je peux vendre. Ah, les eaux, on va garder. Les bouteilles vides, on va garder. La map. Celle-ci, on en a plus besoin. Donc, je vais la vendre. Ah, d'accord. Ça, tu nous procures... Un bandage. Ok, je vais avoir besoin du bandage. Je peux... J'ai pas besoin d'autres... J'ai pas d'autres sous, donc c'est... Voilà. Très bien. Et maintenant, on veut voyager. Et donc, on est à l'île de départ. Ouh, je vais perdre toutes mes ressources. Et il me faudrait 10 d'or. Ouh, il va falloir vendre, du coup. Oh, zut. Ah, alors, jaune, les branches, on peut les vendre. Voilà. Et du coup, voyage là-bas. Let's go. Et donc, on retourne sous l'eau. Dive, dive, dive. Plongez. Oh, c'est moi ou le titan, il plonge également, là. Oh. Attends, le titan, il est sous l'eau, là-bas. Donc, alors, on va à une autre île. Mais normalement, on est toujours dans une zone... chargé, donc si je ne me trompe pas, il ne va pas y avoir de loading. Je dis peut-être une bêtise à vérifier. Et donc on s'éloigne de cet endroit, mais je regrette un peu d'avoir laissé mes habits là-bas, mes ressources là-bas. Boum, dada, doum. la petite chanson. Bon, alors on est passé là où il y avait le titan, c'est peut-être pour ça qu'il est parti, le développeur le fait partir pour pas bloquer le chemin, je suppose. Et... Alors c'est là-bas, d'accord. Et on arrive. Alors, le chemin a été un petit peu long. Mais, ouais. Alors, on est à Cradle Island. Ça a l'air d'être une plus grande île que ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Et le bateau repart. Il replonge. Donc, j'espère qu'il y a de nouvelles ressources pour nous. Sur place, ce serait pas mal. Ouh. Oh oh. Moi, il est plus gros que les autres, lui. Alors, on va l'éviter. Alors, j'ai récupéré tous mes points de vie, ma soif, ma faim, grâce au voyage. Très bon service de la part du bonhomme. Par contre, alors, ouais. Je peux péter ça avant qu'il arrive. Ah. Ok. Vas-y, fais ton attaque. Ok, la technique fonctionne, même sur lui. Non! Voilà. Je vais prendre ça. Ça va donner des points d'aventure. On est presque au level up. Ok, bon, on va pas les combattre. Je vais juste aller sur ma nouvelle île. Je vois qu'il y a toujours des crabes. Et il y a toi. Je vais aller dans mes sacs. Et level 3, hein. Alors, nouveau type de champi. Toujours des poulets, je suppose qu'ils sont aussi bourrins que sur l'autre île. Hop, retire-toi. Ah ouais. Pas mal de choses. Mais on va découvrir tout cela dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse d'en voir plus, c'est quoi ce truc?
C'est grave, on verra ça plus tard. Oh là, oui, ok, là, les gros cristaux jaunes ont un gros effet ici. Donc je vais loot avant. Donc voilà, donc bah, laissez un petit pouce bleu si vous voulez en voir plus. Le jeu a l'air vraiment classe. Hein, toujours là, je continue de progresser, mais je me laisse emporter. Il est vraiment, vraiment classe. Et ouais, et je pense que ça mérite une autre vidéo. Allez, bye bye.